Bonjour à tous, bienvenue. Je viens tout juste de conclure une rencontre très productive avec Mme Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international. Mme Lagarde, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir au Canada en vue de poursuivre notre travail commun. During this meeting, we had a chance to continue some of the discussions we had 2 weeks ago in Hangzhou, China, at the G20. We talked about how we can work more effectively to help build a more equal, more prosperous global economy. First, we talked about the need to work together to encourage growth that helps everyone. It's not good enough to have an economy that only benefits the wealthiest 1%. Inclusive growth can and must yield a positive impact for all. This meeting was a chance to share our plan to help the middle class and grow the economy right here in Canada. As you know, we've made smart, targeted investments in things like innovation and clean tech, which will create jobs, help grow the economy, and protect our environment. This approach aligns with some of the strategies championed by the IMF, strategies that support the needs of our communities while ensuring that working people can get ahead. Deuxièmement, nous avons discuté de l'importance du libre-échange dans le contexte mondial actuel. Nous savons que la libéralisation du commerce, ici au Canada et ailleurs dans le monde, a le potentiel de créer des opportunités pour les entreprises, des bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et de la richesse pour nos économies. C'est un objectif commun, bien connu pour le Canada et le FMI, et nous avons tous les deux déjà adopté des mesures concrètes à cet effet. Cela dit, notre monde fait face à une vague de changements importants et il est essentiel que le Canada et le FMI travaillent ensemble pour multiplier les échanges. Nous devons faire front commun pour contrer l'incertitude et le cynisme qui poussent certains dirigeants à se fermer sur le monde et à s'isoler. Finalement, nous avons discuté de l'engagement du Canada envers le FMI. Sous la direction de Mme Lagarde, le FMI a su élargir l'éventail de ses activités et la portée de son mandat pour inclure notamment les questions relatives à l'égalité des sexes, au changement climatique et aux inégalités sociales et économiques. C'est une institution qui demeure donc à l'avant-garde des problèmes auxquels notre monde fait face et surtout de leurs solutions. These are goals that Canada shares. I know that our team is committed to being a strong partner for the IMF and working with Madame Lagarde on a wide range of issues, including gender equality, on which she has been a leader throughout her career. I look forward to continuing to work with Madame Lagarde and her colleagues to tackle the challenges facing our global community and seize the opportunities that lie ahead. Thank you. Merci.